J'ai habité là-bas quand je suis adulte, MDR, Angleterre. C'est quoi le Panthéon 5? C'est le challenge le plus dur du jeu. Genre littéralement c'est ultra dur. On fera les prédictions après, mais je vais m'entraîner juste sur les 3 boss finaux, je pense cela. Et bonne chance pour le terminer en moins de 3 heures. Mais si, j'y crois. Ok, déjà, Radiance Véritable. Vous voulez voir une oblitération de Radiance Véritable ou pas? T'as dit la même chose au dernier euro? Non. Au dernier euro, j'étais bien moins confiant. Déjà, au dernier euro, on a battu la France, j'étais en mode genre oh. Après, on a écouté l'Espagne, j'étais en mode genre si on passe, c'est fou. Là, on a battu l'Italie, j'étais en mode genre oh. Et pour moi, on bat l'Angleterre. Voilà, là, j'y crois cette année. Bon, vous voulez voir une oblitération de Radiance Véritable? Observez bien. Hop là. Observez bien. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Ensuite, qu'Astuce va battre l'Espagne en finale. S'ils vont en finale, non, je pense pas. Mais enfin, je pense pas. Il y a clairement peu de chance, mais ça pourrait le faire. Oui, j'ai déjà battu Radiance Véritable quand même. Mais regardez justement, regardez bien. Si vous gagnez, ça rentre dans l'histoire de la Suisse, ouais. Ouais. Observez bien. Dommage ça. Ah. Pas cool avec moi ça. Dommage ça. Ça soigne un peu. He's ok. Et ça c'est pas ok. Soigne encore. Ah putain. C'est pas grave, c'est le premier nage. C'est pas grave, ça va le faire, okay, observez bien. C'est pas fini le chat, c'est pas fini. C'est pas fini, salut Diego. C'est pas fini. Bon c'est chaud là quand même. Allez un bon spawn s'il te plaît, spawn à gauche. Va te faire foutre putain. Trop dur à esquiver ça aussi. Ça m'a touché là. Oh c'est si dur. C'est si dur. C'est si dur. Oh c'est pas... Ok c'est pas grave. Deuxième coup. Je vais montrer le charme que tu utilises, je le montrerai après ouais. Et deuxième coup ça compte comme premier coup non? Ouais il faut... L'oblitérateur... Ok là je l'oblitère ok. Et vous rendez pas compte à quel point c'est dur hein. Je vous jure. Vous ne réalisez pas à quel point ce boss est putain de dur. Ah oui, c'est la partie de chauffe exactement épique. Il est pas cool là en plus hein, il me fait des patterns de horrible là. Non, ça c'est con, c'est ok, c'est qu'un PV. Je peux pas y aller là malheureusement, pas soigner du coup. Ok dommage c'était con, j'aurais pas dû me soigner. Ok, soigne. Putain de... Il me fait des patterns de con là hein. Et putain de merde, il est horrible là, il est horrible. Allez, s'il te plaît. Oui, merci, ok, ça va le chat, ça va. Il va crever.
Radiance, c'est l'Angleterre. Ok, Radiance, c'est l'Angleterre, fallait pas dire plus. Salut Marjorie. Allez, un bon spawn, s'il te plaît. Spawn juste, spawn sur ma gueule, spawn sur ma gueule. C'est pas mal. Ah, putain, j'ai raté mon jump. N'importe quoi. Après, j'ai pu mettre pas mal de dégâts au moins. On va dire, je peux me soigner, en plus ça va. Ok, j'aurais dû monter, ça aurait été bien. On va soigner encore du coup. Ok, on est full life. Tu es capable d'accomplir. Pas besoin de faire ça. Ouais. Tu es capable de réaliser tes rêves. Ah, je fais n'importe quoi. Je pense que ça va être chaud là. Putain! Et c'est... Ah, oh, merci Boflo Jules, c'est la pire, je vous jure, la troisième phase c'est la plus dure. Salut Soon. C'est trop dur, cette troisième phase de con, elle est trop dure, elle est trop dure. Bah, équipe le charme, équipe le défenseur. Ton set c'est quoi? Allez Romain, allez Romain, allez. Non mais ils ont pété un câble sur la difficulté du boss, hein, vraiment. Allez Romain, allez Romain. C'est bête ma part. Merci pour les beats. Angleterre, 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 Angleterre. C'est Kalia, je le sais. Angleterre, Angleterre, Angleterre. Et ça va. Angleterre. Ouais, ça va. Angleterre, Angleterre. On parle avec c'est Kalia. Angleterre, Angleterre. Angleterre. Ah c'est marrant, c'est Kalia. Angleterre. C'est marrant, elle a plus modo, vous avez vu, elle a plus badge. Allez Romain. Allez, spawn à gauche ou en haut, c'est bien. Ah, c'est ok, c'est ok. Hein, ça a touché? Ah, ça c'est my bad. J'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller. Ah, c'est my bad. Faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille contre ça. Non, je pensais que ça me touchait pas. Ah, c'est trop dur! C'est trop dur! Encore pour 112%, juste ça. Et je vais y arriver, je vais y arriver. Allez, Romain. Et après, je me fais déconcentrer par Kalia aussi. Allez, reste focus, Romain. Allez. Le chat, est-ce qu'on peut mettre du pamplemousse dans ce chat? Des drapeaux suisses, tout pour... Envoyez-moi de la force, s'il vous plaît. Envoyez de la force. Il est pas cool, non? Il est horrible là, mais il est horrible! Calme-toi! Ah, je me voyais pas dedans. Faut pas dash, Romain! Super facile à esquiver en plus, faut juste pas dash. C'est ok, je vois mon mode full life quand même. Merci Lumix, merci Ananas, continuez, continuez, envoyez la force, allez. La phase 3, la phase de con, celle que j'aime moins. Allez. Allez, apparaît sur moi, apparaît sur moi. Ok, tant pis, il est pas sur moi. On va pas aller chercher, voilà, là c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. C'est bien, c'est bien. On va être là. Là, c'est dur.
c'est pas grave, on va soigner. Ça m'a touché ça. Genre des fois ça touche bizarrement. Hein. Quoi? Non mais... Des fois ça touche trop bizarrement. Hein. Oui! Voilà! Voilà il est mort! Oh! Bon, on tente le Panthéon, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on tente le Panthéon 5? Le Panthéon 5 ne compte pas pour 112% de ça, si si. Grim, pensez que ça vaut la peine de traîner les autres ou pas? Traîner les autres ou pas? On y va comme ça là. Non, c'est pas le Panthéon Marjorie, mais on va y arriver. Je dois jouer, oui. Non, bête de ma part là. Bête de ma part encore. What? Ok, ok. Du coup, Morcia modère toute seule. Je sais pas, on rend la modération à Kalia ou pas? Ouais, j'ai fait la merde. Non, mais là, c'est bon, je l'ai pas joué depuis longtemps. A plus tard, Mitch. Vous voulez que Kalia récupère la modération? Je suis pas sûr. Hein. Si elle dit allez la Suisse, je lui remets la modération. Vous en pensez quoi de ça? Ah putain, j'ai pas compris que ça commençait. Attendez, j'avais pas compris que ça commençait, j'étais en train de parler! N'importe quoi là. Ça c'est cool. Je fais n'importe quoi. Allez, les petits Suisses, les yaourts. Non, Kalia, ça fonctionne pas, ça. Oh, putain, ça va être si dur, ça va être si dur. Ouais, faut que je me focus. Je joue trop agressif, en fait, je pense, non? J'ai l'impression que je joue trop agressif. Là vraiment. Non, et là faut que j'aille dans l'autre sens. J'ai la chance. Je joue pas safe du tout hein, je joue pas safe du tout hein. Ouais, je joue beaucoup trop agressif quand même. Faudra me rappeler de jouer vraiment safe dans le Panthéon. Ah, je grid de fou là, ouais, je sens que je grid là, je sens que je grid. Allez, Romain.
Merci beaucoup pour le sub. Six Smith, merci beaucoup, ça fait longtemps, non? Ça se passe mieux quand on joue safe, hein. Et juste ça, je sais pas exactement où me mettre pour esquiver. Oh, my bad. Let's go! Voilà! Merci X-Miss pour le 15ème mois. Bon, on est prêt pour le Panthéon ou pas? On est prêt là! On est prêt pour le Panthéon ou bien? Grim encore! C'est quoi tes charmes? Cœur du vide, entaille rapide, longue lame, marque de respect, force fragile. Allez, come on Romain, you can do it. Ouais, c'est... Ok, ça c'est l'attaque que j'ai le plus de peine à esquiver. J'ai fait la merde là. Ouais, c'est peut-être bien que je fasse un petit pour me rappeler un peu. C'est pas déconnant que je le fasse pour me rappeler un peu. Pourquoi je le prie? Salut Jean-Louis! Non, mais allez, en vrai, c'était pas con que je le refasse pour me rappeler bien là. Vous avez raison, merci beaucoup, Mardi de Meutrine. 1% 2%, je crois qu'il te manque l'amélioration des charmes fragiles. L'amélioration? Allez, focus un peu, Romain. Ne grille pas. Est-ce que Kalia a dit aller à la Suisse ou pas? Ou toujours pas? Mec, t'as une autre. T'as d'autres attaques! Mais t'as d'autres attaques! C'est l'attaque que j'ai le plus de peine à esquiver. Oh, c'est incroyable. Ah, oh, putain, j'ai pas reconnu cette attaque. C'est une folie ce qui se passe, hein. Oh, my bad. Je crois que je joue mal aujourd'hui. Je crois que je joue mal aujourd'hui. Il faut s'en un petit peu. Un peu trop tôt, dommage. Mec, cette attaque, elle est... horrible, hein. Mais je peux le faire le chat. Je peux le faire le chat ou pas? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire le chat? On va soigner. Ça. Non, alors ça par contre c'est scandaleux ce qui vient de se passer là. Thank you.
Oh, c'était maîtrisé, Grim, non? Les limbes. Putain, regarde pas le chat, Romain, regarde pas le chat. Regarde pas le chat, Romain, crétin! Et Léo, ça a été? Bon, on tente ce Panthéon, le chat? Est-ce qu'on le tente? Au Panthéon? Allez, j'ai pissé, on va lancer une prédiction, ok? Moi, tu as fait les autres Panthéon avec les malus pour les masques bleus. Non, j'ai pas. Je vais juste pisser et j'arrive et on lance les Panthéon, on va voir si j'arrive ou pas, ok? Salut Emmanuel, comment tu vas? Bon. Mesdames et messieurs, voulez-vous une prédiction? Salut Vivi le BG, ça va bien toi? Bientôt tu auras mon niveau sur le Knight, mais je suis très content de ça. C'est quoi le boss du Panthéon? C'est Grim, c'est le Knight ou c'est Absolute Radiance? Non, c'est Radiance, largement Radiance. Prédiction, est-ce que je réussis sur cet essai? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça suit tout ce qui joue contre les Anglais et notre allié. Merci, Choubé. Elle est là, Kalia ou pas? Kalia? On sait qu'elle est vexée, Kalia. 15 minutes, ouais, 15 minutes de prédiction. Elle est vexée, Kalia? Je remets la modération, c'est bon. Oh là. Du coup, je joue à côté. Je suis là, je boude pas. Arrête de bouder, Kalia. Regardez, elle boude dans le chat, là. C'est bon. Elle boude dans le chat, on n'en peut plus. Oh, c'est bon. Elle me gosse, bah oui. Allez. Donc il y a une prédiction de 15 minutes qui va être lancée pour savoir si oui ou non je réussis sur cet essai. Au début du Panthéon, vous le savez, c'est pas le plus intéressant. J'ai honnête, j'ai pas trouvé la suite pour après. Ah, faut beaucoup explorer après, c'est hyper compliqué. Eh, ce premier boss, quel boss de fou en tout cas, hein. Waouh. Regardez-moi ce boss de fou furieux. Est-ce que quand vous voyez un boss comme ça, vous dites pas putain? Waouh. Mais quel boss de dingo. Ouais, merci pour le prime, Boochips. Comment ça va? Boochips qui est devenu organisateur des scrims de la Capri Cup pour ceux qui participent si jamais. N'hésitez pas à lui envoyer un message.
Vous avez pas trop l'air d'y croire dans la prédiction en tout cas. Hein. Vous avez pas trop l'air d'y croire dans la prédiction pour l'instant. Ça y est, c'est bon, ça fait longtemps. Allez, on vote, on vote, on vote. Y'a pas beaucoup de monde au skill, c'est dommage. Oui, mais c'est pas la compétition va pas commencer tout de suite. Tant mieux, c'est, vous gagnerez comme ça. Alors, on est au Discord, des scrims, si on participe pas, je vais voir comment on s'organise. Ouais, tu peux, je pense. Ouais. Vous savez, il faut dire les termes. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi les termes? Oh, Kalia, t'as fini de bouder? On sait qu'elle a fini de bouder, Kalia, ou pas? Je boude pas. Oh, Kalia, arrête de bouder. Merde. J'ai mis à côté. Merde. Merde. Hey, The God, comment tu vas? La plupart n'y croient pas, bah c'est vous qui vous mordrez les doigts quand je vais réussir. Merde. Rien de pire que de dire à une nana solaire et de bouder, tu peux être sûr que ça fera l'effet inverse MDR. Oh mais je fais exprès là justement. Je fais exprès, j'embête là, je fais exprès. Il faut savoir qu'une des choses qui me fait le plus plaisir au monde, c'est d'embêter Kalia. C'est un grand plaisir. Doma Doma. Moi, c'est pour être pauvre, moi j'en ai acheté avec mes géos donc je suis trop riche. C'est vrai, comment je fais pour être pauvre là? Offrez des sables, le chat! Je vais faire enrager très bien, tu veux quel type de fleurs sur ta tombe? Merde. Moi je m'en fous de prendre un peu les dégâts là. Hein. Je m'en bats un peu les couilles de prendre les dégâts là. Doma Doma! Bon allez, ça se passe bien pour l'instant, mais c'est pas très dur. J'ai marre d'être riche. Bah offrez des subs, bah voilà! Si vous avez trop de thunes, vous savez quoi en faire! L'une de 100% de l'honnête en dommage geste. Ça fait quelque chose. Ok, prends les boss. On fait attention quand même. Il peut se passer des dingues. Ça fait longtemps que je les ai pas fait. Très longtemps que je les ai pas fait, donc je me rappelle plus très bien. Oru et Mato. Je pouvais rien faire. Oh quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? C'est un peu Baptou et Anala ces deux là ensemble, non? N'importe quoi. Aïe.
Mais des Jésos. Comment ça, mais des Jésos? C'est quoi des Jésos? Allez, on se régénère. Je peux le faire, le chat. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Mais c'est des boss chiants comme lui, là. Tellement chiant, ce boss. Des géos, j'ai mis ce kit. Mais pourquoi tu veux que j'ai des géos? On s'en fout. C'est n'importe quoi. Je vais... Si je crève pour lui, c'est n'importe quoi. Je vais quand même pas mourir contre lui là, ce boss de con. Oh, je vais mourir contre lui. Non mais... Oh, je suis mort. Non, faut venir à Pélisson là, Martien. Putain, je suis trop con. Oh, c'est bon, c'est bon, le chat. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Hollow Knight. Il faut me laisser un petit peu de temps là pour. Hein. Vous savez ce qui se passe? C'est la faute de Kalia tout ça. Merci à iCartoon, c'est gentil. N'importe quoi, bordel. On peut lancer une prédiction du coup. Ah, peut-être j'étais pas très focus. Je vais plus pour toi, Romain. Mais désolé, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, non, ça va. Allez, on lance une prédiction là même. Take the base, ne jamais croire en Romain. Ah bah là, y'a plus personne qui va croire en moi, j'imagine. Hein. Mais en vrai, je réfléchissais déjà au prochain boss, c'est pour ça que j'ai fait la merde. Bon, vous continuez à croire en moi ou pas? Oh, Romain, c'est faire une erreur. Bah, votez contre moi alors, votez contre moi, allez-y. Votez contre si vous y croyez tant que ça. Allez, je me focus pour de vrai cette fois. Pauline, le nom. Allez, Romain. Focus. Je sais, Ananas, mais ça sent rien sur le premier. All-in, si ça peut te motiver. Bah allez-y, faites des all-in, faites des all-in. Il me fallait une game de chauffe, là on est bon. Observez bien. Oh, pff, rappelez-moi sur la gueule, je te dis rien. Pourrais-tu redescendre? Merci. Si j'ai une sur oui to win, bah on va essayer, on va essayer. Faites comme vous voulez, hein.
Je vais moins parler, je pense. J'étais pas assez focus avant, vraiment. J'étais clairement pas assez focus. On va se concentrer et ça va bien se passer. Sous-estime zéro boss cette fois-ci, ok? Vous savez où pour faire les panthéons? Google, hein, Godalf. C'est un plus simple que je t'explique. On fait pas de la merde. Eux ça peut mal se passer si je fais de la merde. Allez, Babtou Ananas. C'est marrant, vous y croyez plus du tout à la prédiction là. Oh, ça touche ça vraiment. Mais ça touche ça vraiment. Mais allez vous faire foutre, hein. Ce combat est pas si évident que ça en vrai, hein. Ce combat est pas si évident que ça, faut que j'arrête, hein. Allez. A plus Thaïs. Merci beaucoup Tiamika Kelly. Ok, on va essayer de pas refaire de la merde. Genre ça touche ça. Oh mais please. Je stresse sur lui maintenant. Ouais putain, mais comment je suis mort contre lui? Je tombe à cause de pas clairement. Comment je suis mort contre lui avant? C'est Smurflow Vad. Allez, remain. Merde. Pose la même question, bah ouais, bah j'imagine. Et n'hésitez pas à envoyer un petit peu de force, hein, ça fait toujours plaisir de tourner la tête, de voir le chat. Qui y croit quoi? C'est quoi ton build de charme? J'ai montré avant. J'ai oublié, vraiment. Faut que ce soit.
Je veux les trucs pour augmenter la portée, la vitesse et les dégâts. J'étais pas là, désolé. Bah, vitesse, dégâts, portée en gros. Oh, ce boss de con là. Vraiment. Qui a eu l'idée de ce boss, bordel? Oui, le meilleur boss du jeu, vraiment, oui. Ah, mais heureusement qu'il met pas de dégâts, hein. Je peux mourir! Oh mais please quoi! J'ai pas attaque spéciale quand les ennemis sont au-dessus de toi. Bah je viens de la faire. Ok, allez. Je suis pas parti, je sais pas pourquoi. Et t'es mis d'app, comment tu vas? Merde, putain, on regarde pas le chat, Romain! Pas que je regarde le chat, hein, désolé, hein. Allez. Il est trop stylé, boss. Il est incroyable, ce boss, on est d'accord. Les mantes, c'est... Est-ce que vous voulez que je monte le son du jeu ou pas? Est-ce que vous voulez la musique plus fort? Allez, on vote à la prédiction, là. Allez, on vote. Non, ça va, ok, ok. Ah, c'est Buffalo Limb. Allez, prédiction le chat, prédiction. Bala Babtou. Ah mais je suis plus sub. Waouh, Kalia. Kalia elle boude et en plus elle est plus sub. Mais t'avais pas resub genre la semaine dernière? Merci Kalia pour le 22e mois, merci beaucoup. Allez prédiction, il vous reste plus beaucoup de temps le chat, c'est le moment de all-in. C'est le moment de mettre des gros all-in. Ok, lui, je peux prendre les dégâts que je veux. Ça passe de toute manière, vous allez voir. Juste, je peux juste bourriner lui. Vous allez voir.
pas en fait. Si, je peux juste le bourriner, ça passe tranquille. Allez, mesdames et messieurs. Il y a quand même, normalement il passe, je l'ai toujours fait comme ça. Bon, lui ça devrait aller. Combien de fois tu prends un bain? Comment ça tu prends 6 fois un bain? Ah dans le jeu! Ça c'est vrai que je prends plus de fois de bain dans le jeu qu'en vrai. Chiant lui. Allez. Ça dégage. Vous avez une minute pour voter, mesdames et messieurs. Une minute pour voter. Après, c'est terminé, vous ne pourrez plus voter. Ça a donné quoi la prédiction du... prédiction... prédiction pour venir? Ok. Allez, joue, 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 joue! Bah la bananas. Les boss de sexe, c'est les boss de Panthéon A4 dans le même ordre. Ouais. Ok, Grim normal. Mr. Grim. Faut pas nous casser les couilles, Grim, hein. Il paraît si lent le normal de Grim en vrai. N'importe quoi, hein. Cinquième boss là. Bon appétit à ceux qui vont manger. Bon app. Enfin, dire que vous allez manger, vous allez rater la fin du Panthéon 5 quand même, hein. Vous vous rendez compte, manger plutôt que voir la fin du Panthéon 5. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je fais quoi là?
Comment ça on y croit plus? Comment ça on y croit plus? Et pourquoi pas faire les deux en même temps? C'est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité. Allez, là, faut commencer à se concentrer, mesdames et messieurs. Parce qu'on va commencer à arriver. Normalement, un peu plus compliqué. C'est ça devant le stream. Et Grégoire, comment tu vas? Tout à l'heure, c'était le 25ème boss. Je sais pas combien on est là. Est-ce que quelqu'un a fait les comptes du nombre de boss ou pas? Très bien, Grégoire, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait au combien de boss on est? Oh putain, ils m'ont mis les deux roulants en même temps. Oh, come on. Oh mais please, ils sont chiants là. Et entre 20 et 25, on n'a pas plus précis. Okay. 32ème boss déjà? Non. 32 6 minutes! Oh putain, je suis proche de la fin là, ok. On va vraiment se concentrer. Oh putain, je t'avais oublié toi. Je t'avais oublié, petit con. Ok, ça va. Je trouve ce boss trop stylé. Celui-là? Non, il est nul à chier celui-là. Il est nul à chier celui-là. Je crois que j'ai la meuf qui fait. Ah non. Ok, c'est lui d'abord. Et. Oh non, dommage, ça c'est de ma part. Okay. Oh putain, Romain! Non, je fais de la merde là. Ça, c'est un boss sur lequel on est censé se mettre full life. Pour la suite, elle est dans le plafond. Ok. Je fais n'importe quoi. Ok, dans le plafond. Dans le plafond. Lino, comment tu vas? Il y a eu un entretien d'embauche, ça s'est bien passé? Allez, ça dégage. Ok, lui pas évident, évident, faut faire gaffe quand même.
Allez, Sly, ça dégage, Sly. J'ai trop pensé à Maître Yoda, c'est un peu le, c'est un peu le moyen qui s'inspire de ça, ouais. Ah, Romain, joue bien parce que... Non mais... Je meurs pas contre elle, hein, je meurs pas contre Ornette, hein, c'est mort. Hein. Et c'est bon. Je crois qu'il y a encore un mob et après, c'est le bain chaud. Non, c'est le bain chaud maintenant, ok. On va commencer à arriver dans les compliqués là, non? Là, on va commencer à arriver dans les vraiment durs des boss. Ok, pas celui-là, mais après. C'est bête de perdre la vie contre lui! Ah, c'est bête de perdre la vie contre lui. C'est ok, c'est ok. C'est pas grave, c'est ok. Lui, ça devrait aller, le pro arche disparu. Non, je suis sur PC Limb. C'est qui maintenant? Oh non! Un des boss que je gère le moins. Sachez-le. Je hais ce putain de boss. J'ai pas eu 3 PV, ça va être chaud. Qu'est-ce que j'aime. Oh mec, s'il te plaît Romain. Fais pas de la merde Romain. Quel boss de con. C'est Marty McFly. Allez Romain. Ça, ça devrait aller normalement. Je suis bête, je suis bête. Ok. Ça, ça devrait aller. Doma, doma. Doma, doma. Dommage, 3 PV perdu. C'est le Clineferry, comment tu vas? C'est qui après déjà? Ok, allez. On commence à tâter le bout un peu. Ça va bien, Clineferry. Stressé, mais ça va bien. C'est qui, c'est Marcotte là? C'est Marcotte là? Marcotte, c'est un des plus durs. Hein. Oh, ok. Thank you.
Oh non. Je profite de mon repos, t'as bien raison. Excité là, hein. Et je mangeais à plus mida, bon appétit. Ok, c'est Marcotte après là. C'est Marcotte. Marcotte, c'est celui qui me fait le plus peur à part les trois finaux. Ok, c'est Marcotte. Ma technique, c'est vraiment le rush. C'est le next staff. Je fais toujours comme ça, je le rush Marcotte. C'est le seul moyen que j'ai. Ok. C'est Clemshy. Ok, là j'ai Zot. Zot. Pas évident Zot. Mauvais combat. Très mauvais combat. C'est Elf. C'est quoi? C'est Grim maintenant là? C'est Grim? Allez, Romain. Focus. Non, c'est pas Grim, ok. C'est qui ça? Ok. Oh non. Oh, ça m'a niqué ça. Pas ton abonnement, attaque. Oh non, non, par contre, faut chevalier quand même. Oh non. Par contre, le faux chevalier quand même, non. J'ai interdiction de mourir contre lui, hein. Putain, je suis mort. Trop de la merde. Putain, j'ai fait. Oh, ça va être dur là. La smoke Florian Sao, j'ai. Oh, j'ai bégayé là. Oh. Ok, ça va falloir être dur là. Oh là, salut Simba, ça va être vraiment dur là. 5 PV pour Grim. Ok. Oh, j'ai fait trop de la merde contre le chevalier. Ok. Ça peut le faire.
Allez, Romain. Allez, Romain. Ça a touché vraiment. Non. Allez, vaisseau pur. Vaisseau pur, vaisseau pur, vaisseau pur, vaisseau pur. Vaisseau pur le chat, allez. Il n'y a plus que deux. Safe pour... Ouais, il faut que je joue safe. Pas de grid pour vaisseau pur, pas de grid. Pas de grid, Romain, pas de grid, pas de grid. Pas de grid. C'est une chose qui est-ce que tu continues Bloodborne? Ouais, je le ferai un jour, je le ferai. Je finirai. Pas de grid, pas de grid, pas de grid. Ça me touche, putain. Quoi, ça touche? J'ai envie de... Ça a touché, ça! Vas-y, j'ai pissé, on relance. On peut relancer une prédiction, j'y retourne. Oh putain, j'y retourne direct, juste pisser. Les prélis, c'est un peu malsain. Pourquoi? Du coup, tu dois relancer. Bah, je relance, ouais. Oui, je sais, hein, t'inquiète pas. Allez, ça va le faire. Est-ce que vous y croyez, le chat? J'ai besoin de votre force, je vous jure. J'ai même des petits messages d'encouragement, ça fait vraiment du bien, vraiment. Hein. Je les vois entre les boss. Ça envoie de la force. Mais bordel, c'est dur, hein. Bordel, c'est dur. Pourquoi c'est pour ça? Bonjour, monsieur des 7, comment ça va? Ça, par contre, vraiment faire un boss aussi chiant pour le début. Je garde ma force pour le match de la Suisse à 18h. Putain, vous savez que je crois que je préfère que la Suisse gagne plutôt que je réussisse le Panthéon. Hein. Merci Nextaf pour le sub gift, merci You pour le sub. Premier degré, je préfère que la Suisse passe contre l'Angleterre en vrai.
Mais on va faire les deux, c'est ça qui va être beau. C'est next up, merci you. Si on s'en fout, on peut prendre des dégâts. Juste meurs, merci. Putain, j'ai fait de la merde sur vaisseau pur, ça fait chier. Hein. Je reste focus. Je suis con, je savais en plus que je peux y aller. Je perds pas espoir, non mais je perds pas espoir, vous inquiétez pas hein. J'y crois mais c'est juste que... Bon c'est pas facile hein, on va pas se mentir. Avec vaisseau pur là j'avais presque avant mais j'ai pris un coup que je pensais pas prendre et ça m'a sorti du combat. C'est chiant quand il saute. Oh, c'est vraiment chiant quand il saute. Salut ciel. Les compétences normales, Rocky, merci beaucoup, Malus, c'est gentil. C'est très gentil. Mais vaisseau pur, faut vraiment que je me mette ça dans la tête. Je le tape deux fois et après je pars pour éviter sa prochaine attaque. Les Undead, comment tu vas? Ça va bien, c'est merci. Je connais pas le jeu, c'est quoi que tu fais en fait? Je fais le challenge le plus dur du jeu, Nextaf. En gros, c'est le Panthéon 5. C'est tous les boss du jeu mis à la suite et en mode plus dur. Donc c'est vraiment très dur, en gros. Merci beaucoup pour le follow. Je regarde après, c'est parti en tout cas. Merci King C pour le follow. Donc voilà, en gros, c'est un next tap, c'est vraiment le challenge le pur du jeu. C'est. Est-ce que vous auriez un comparatif avec Elden Ring? Ce serait quoi comme challenge de faire ce que je fais là sur Elden Ring? En vrai, c'est l'équivalent de tous les boss d'Elden Ring sans mourir quoi. Alors, encore du monde de speedrun de ce jeu, on pourra regarder après, ouais. Mort roue sur vaisseau pur. Merde, je suis mal à côté. Je suis tellement habitué au dash des mobs plus tard qui sont beaucoup plus longs. Tu sais, je crois que j'ai l'impression qu'il y a plus long. Manque 2000 pour passer les 100 000, bah t'as la prédiction. T'as fait quel Panthéon tous, à part celui-là? Bon, j'ai continué comme ça, merci Jules. 34 minutes d'un seconde, 26 secondes, non, je crois que c'est 16 minutes le record du monde Panthéon 5. Stéphane Echo. Et celui-là, c'est un combat qui fait un peu peur en vrai. Chaque fois, je fais de la merde. Fais pas de la merde, Romain. Putain, si tu meurs ici, ça fait chier. Hein. Vaisseau pur à Loïs. Deuxième histoire. Il y a du monde de tous les côtés! Ah,
Il y en a qui ont dû faire en no-hit le Panthéon. Je sais pas si vous réalisez aussi. Hein. La prédiction, vous êtes un peu plus frileux qu'avant. Vous êtes un peu plus frileux qu'avant pour la prédiction là. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a très très peu. Des gens qui ont réussi à no-hit le Panthéon. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est tellement de la merde ces boss qui partent là comme ça. Oh putain, j'aime pas ces boss. Arrête de toujours partir de moi. Allez, reviens. C'est mon flow sonoraké. Et bon appétit, Eiji. Après, il y en a très très peu. Ah ouais, bah c'est clair qu'il y a très très peu de gens qui ont réussi à no-hit le Panthéon. T'imagines le challenge. Les amis du Panthéon 5, je vais regarder la vidéo sur l'or aujourd'hui. Ouais, ah ouais, c'est prévu, les amis. Pourquoi pas regarder les speedruns du Panthéon 5 aussi, je suis assez curieux. Sympa les VOD et les Donring, merci mec, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Sonolake. On n'est pas sur Donring aujourd'hui, on y est demain par contre. On a annoncé un nouveau petit challenge là sur Donring pour ceux qui n'étaient pas là. C'est de faire tous les boss majeurs du jeu de base plus le DLC sans mourir. Est-ce que le son du jeu est un peu fort par contre? C'est un peu fort ou ça va? Non, c'est bon, ok. On va faire, ok. Yo, le fixe, à bientôt. Allez. Le ping-pong. En cas de mort, si ça arrive, tu fais quoi? Tu reset la run? Demain? Si je meurs demain sur la run, je pense que je vais jusqu'au bout quand même. Je m'atteins les 10 heures de VOD, je suis le seul détraqué. Oh non, il y a quelques personnes qui regardent les rediff quand même. Surtout Elden Ring. Oh le boss de con là. Qui a des idées de boss comme ça, vraiment? Ouais, sur Elden Ring demain, non, je reset pas, je pense, jusqu'au bout. C'est plus dur Halloween Night ou Elden Ring? Halloween Night, putain, le fameux Halloween Night. C'est plus dur Halloween Night ou Elden Ring? Ça dépend des challenges que tu te lances. Je pense sur Elden Ring, y a pas un challenge aussi dur que le Panthéon 5. Merde, mais... Mais tu peux te lancer des challenges qui rendent le jeu très dur, donc Mais le jeu en vanilla, je sais pas en vrai. Bonne question. Salut Kazuto. Faut faire taire ces Anglais ce soir. Ah non mais on y croit hein. Je vous jure j'y crois à la victoire de la Suisse hein. Mais j'y crois vraiment fort hein. Merde, j'ai du mauvais côté. J'aime trop ce combat. J'aime vraiment trop ce combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs boss celui-là. Et cette version-là, elle est incroyable. C'est vraiment. Ce boss est fou, vraiment. Je trouve trop stylé. Il est agréable à jouer. Enfin, genre, vraiment, il est. Vraiment stylé, quoi. Yeah.
La réaction des Français à minuit, j'ai adoré vraiment. Ouais, il y a eu un petit peu à Genève aussi. Ouais, pour lancer le challenge dans le jeu, parce que c'est pas un, genre, c'est pas un mode. C'est pas un mode, non. Il faut aller dans les égouts. Il y a un mec dans un sarcophage et faut lui fixer l'aiguillon des rêves dessus. Et le combat, c'est trop stylé, vraiment. Hein, bravo. Là, arrête de faire apparaître des trucs sur moi. Alors, on vit bien la sortie de Six Song, mais est-ce qu'il va vraiment sortir un jour? Je sais pas. Je ne sais pas. Vous avez plus beaucoup de temps pour voter à la prédiction. Vous savez au combien de boss on est là ou pas? On est au combien de boss là? J'aurais fait les comptes, je sais plus. J'aurais dit le 24ème. Non, non, on n'est pas. 21ème, merci 6 minutes. Ça, 6 minutes 19ème, vous n'êtes pas d'accord. Mais sur ce boss qui sert à rien là. Vous avez encore 2 minutes pour voter la prédiction si jamais. Et lui on peut le bourrer. Et on s'en fout de prendre des dégâts. Je veux dire, on s'en fout de prendre des dégâts contre lui, hein, vraiment. Voilà. C'est sur combien de boss? 43. 42, je sais plus. Ouais, 42 je crois, je sais plus. Ouais. Merde, attends, regarde pas le chat, Romain. J'ai déjà fait le 100%. Oh, Romain. J'ai déjà fait le 100%, ce que je veux savoir c'est que tu as fait la quête de la fleur. J'ai fait la quête de la fleur, Walim. J'ai tout fait sauf le Panthéon 5, vraiment, tout. Quête de fleurs de con aussi, hein, putain. Ouais, Thaïs. Ouais, c'est vraiment pas les boss compliqués pour l'instant. Je pense que ça devient compliqué en vrai à partir de Zot. Hein. J'aime trop l'effet que ça fait quand on le tape lui. Merde. À partir de 35 ça devient dur, non? Bah y'a quand même quelques boss, faut faire gaffe quoi, mais... J'ai plus me focus qu'avant déjà. C'est bien un boss de merde aussi. Des fois il a pas envie de jouer le... Le scarabée. Chiant,
Je suis à combien là? Oh Jules. Ok, grim normal, tranquille. Tellement chiant cette attaque en vrai. Un sixième. Merde. Je joue, ça tombe moins vite là. Non mais ça casse les boules. Non. Je tente un truc. Vraiment. Je tentais un truc. Le grim normal, vraiment, le combat il est plus très intéressant maintenant, je trouve. Hein. Allez, essaye de mourir là. Merci. Chaque phase de ces boules correspond à un quart de sa vie. Genre la première, il a un quart, deuxième, deux. Ah, ça je savais pas, tu es sûr. Et le cauchemar aussi? En mode cauchemar aussi? Ah putain, je savais pas du tout. Ah donc ça donne une bonne idée d'où il en est hein, alors, ok. Tiens, je savais pas pour le truc des boules. Et tu sais si tu l'as bientôt tué ou pas quoi. À gauche. C'est lequel le plus dur des trois derniers boss? Ah ouais, c'est Radiance hein. Il y en a aucun qui est facile des trois. Grim, ça va. Mais Grim, ça m'arrive des fois de faire de la merde dessus parce que je. Bon, ça peut arriver de faire de la merde quoi. Assez d'arrow pour les 10 bits. Toujours pas fini. Bah non, Edgizan, ça prend du temps. Bonjour Proarch. Est-ce que le dernier c'est plus fort de tous? Oui, non mais large. Le dernier est très dur. Ça c'est le boss je trouve le plus à chier du jeu. Ça me touche de merde. Je crois que ça me touchait. Et appelle tes potes. Évidemment de l'autre côté. Oh genre quoi? Sans yeux rivalise, ouais, sans yeux c'est bien la merde, on vient d'accord tout sûr. Bah sans yeux c'est un des boss qui me fait peur aussi hein. Avec Marcotte encore. Marcotte, sans yeux me font assez peur. Il y en a quelques-uns encore ça, ouais. Ouais ouais. Il est juste chiant lui. Franchement, s'il y a une strat plus rapide pour lui, je veux bien parce que vraiment. Quel combat de con. Non,
Non, c'est ma bad là. Il y a eu le jeu gratuit avec les soldes où t'as payé. Si c'est en solde, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Il me semble qu'en solde, c'est quand même payant, non? D'ailleurs, si vous voulez acheter le jeu, n'hésitez pas à passer par mon lien Instant Gaming, le chat. C'est là que ça chauffe. Point d'exclamation Instant. Vous aurez le jeu moins cher. Enfin, d'ailleurs, tous les jeux que vous voulez, vous les aurez moins cher. Donc, pensez-y. Timer, s'il te plaît. Merci. Allez, on va commencer à arriver dans les boss un peu plus compliqués. Sly. Let's go, vous y croyez ou pas? Putain, allez Romain. Je crois que je peux me laisser prendre les dégâts ici, on s'en fout en vrai. Est-ce qu'il y a le soin juste après? Ça me permet de d'aller un peu plus vite. Oh, on va faire comme ça. Ah, c'est Buffalo Zeldo. Voilà, je fais comme ça. De toute façon là après. Ah, t'as voté pour en plus D7. Oh là là. Ah oui, non, il y a ça juste après, ouais, c'est vrai. Oh, j'ai déjà du mauvais sens. En vrai, je m'en fous, j'ai le heal juste après, hein, donc on s'en fout un peu. Ouais. Le son est vraiment littéralement juste après, il est juste là. Ok, c'est qui maintenant là, vous savez ou pas? Est-ce que vous vous rappelez qui c'est là ou pas? Marcotte, c'est vraiment... Marcotte, c'est celui qui me fait le plus peur là qui reste. Et lui, ça va. Je sais pas prendre des dégâts quand même. Merde, Romain, regarde pas le chat. Et d'avoir la paix, si c'était ça, je ferai 10 subs. Seulement 10 ! Rigolez Darou, évidemment, merci beaucoup. L'appel des subs en général. Ça fonctionne, l'appel des subs. Quel bouton pour dash? Bah, ça dépend comment t'as paramétré ton jeu. Salut Soleil. Moi c'est celui-là. C'est gâchette droite. Ok, boss de merde là. Je sais pas ce qui aurait passé par la tête, hein, avec ce boss de con. Hein. Je déteste ce boss. On pense quoi de ce boss D7? Plutôt bien pensé hein. Je pense qu'il pue, c'est bien de la merde hein. Bon, j'ai bien géré mais c'est bien de la merde, ok. Bientôt Marcotte. Marcotte me fait très peur encore, je vous le dis. Marcotte me fait très très peur.
Genre j'ai tous les tués là. Attends, c'est qu'ils ont que 3 qu'ils ont dû faire des contreparties, les pauvres. Mais tout de même, ouais, ils sont c'est vrai qu'ils sont 3 à avoir fait le jeu quand même, c'est vrai. Et lui ça devrait aller. Le protecteur blanc on l'a fait dans ses 5 versions, donc ça devrait aller, on connaît bien. La version où il met 5 de dégâts par coup, c'est pas évident. Oh merde, putain j'ai pas vu arriver. Je sais pas si j'aime ce boss ou pas. À moi de cette Marco, je galère un peu, ouais. Ça m'est déjà arrivé de mourir dessus. En général, ce que je fais, c'est que je bourrine puis, vu qu'après il y a le soin, de toute façon. Je crois que c'est Marco maintenant en plus. Allez, fais pas de la merde pour Marco. Non, je sais plus c'est qui là. Oh la Victige, merci. Tyran de l'âme, ok ça va. Merci la Victige pour l'année d'abonnement. Un an, let's go. Lui il est juste chiant en fait. Il est vraiment juste chiant ce boss. Alors voilà pourquoi il est juste chiant. Vraiment insupportable ce boss hein. Merde, vraiment hein. Juste un peu, merci à Darou pour les beats. Yo Diego! Bon, c'est limite ça. Ok. Pas mal à ce point, lui. Pas mal, pas mal, pas mal! Ok. Attention, on sait pas se prendre de dégâts ici. Allez Marcotte, merci pour le Twitch au MP3, remap tout. Marcotte de con. Allez, on essaie de pas mourir sur Marcotte. Ce boss, j'aime vraiment pas ce boss, tu vois, je galère trop. Je galère trop sur ce boss, je sais pas pourquoi. Ok, c'est ces autres là. C'est ces autres et je peux pas me soigner. Ah, chier. Ok, reste focus sur moi, c'est pas grave. Mais c'est incroyable!
C'est mon flow MG. Ah, je joue mal ce fight là. Allez, chevalier. Comme vous voyez, c'est lance, je les esquive, je ne tape jamais le boss. J'attaque seulement ses faces boucliers. Ah ouais? Attends, je regarde ça alors parce que. Je fais n'importe quoi. Putain, je fais n'importe quoi comme avant. Je fais n'importe quoi contre lui comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il allait plus loin ce bâtard. Salut Shokim, Kim, comment tu vas? Faites attaquer avec l'union des rêves, ça me remonte un petit peu mon âme. Allez. J'avais dit la strat sur ce boss. C'est quoi la strat? Je connais pas alors. Allez. Mesdames et messieurs, il est là. Pas de grid, Romain, pas de grid. Pas de grid. Un quart PV. Du coup, maintenant je sais. Deux quarts PV, en moitié du coup. C'est former la vie. Et 3 quarts PV. Je disais le chat. Je suis en train de lire le chat, moi. C'est pas ça. Salut, mais le dieu des dieux. Je sais pas qui c'est le dieu des dieux, Limp. Tu viens de me spoiler là. Rossoun. C'est un truc que j'allais apprendre à la fin du Panthéon 5, ça. Salut Garox. Pff, allez, vaisseau pur. Pas de grid, le chat. Pas de grid, pas de grid, pas de grid. Faut vraiment que je joue tranquille. Pas de putain de grid. Le mec est derrière qui regarde. Mais je voulais pas savoir que c'est le dieu des dieux, Limp. Ça allait peut-être expliquer après. Me spoil pas l'histoire, on va faire un react en plus au lore après. Incroyable. Romain, focus.
Ah putain. Oh c'est pas ok du tout. Ok. On va mettre 2 PV. On va pas dire mettre 2 PV. Putain je suis trop nul. Pourquoi je suis aussi guest sur ce combat bordel. Elle est prise. Non j'ai fait la merde. Non mais on se fout de ma... Mais on se fout de ma gueule. Mais attends mais il s'est passé quoi là. Oh je me suis pris un enchaînement de tarba. Je me suis pris un enchaînement de... Non mais je me suis pris un enchaînement de bâtard là vraiment. Mais il a spawn sur ma gueule en fait non. Il a, non mais il a littéralement spawn sur ma gueule, on est d'accord. On peut lancer une prédiction si vous voulez. Sous l'empeuse de ce pur là. Hein. Non mais j'ai pas rêvé, on est d'accord. Il m'a spawn sur la gueule, c'était hyper bizarre. Oh les... Allez, cassez les couilles vous. Merci D7, merci beaucoup pour le 2 mois d'abonnement. Merci mec, putain. Là, tu commences depuis le début, ouais, c'est ça le... C'est ça le challenge quoi. Allez juste, et le moustique, arrête de casser les couilles. Oh crève. Oh crève moustique s'il te plaît. Merci D7, putain mais ça fait, je vous jure ça fait trop chier hein. Ah je sais pas, vous en avez pensé quoi. Mais d'accord, il m'a spawn sur la gueule, c'était hyper bizarre non. Merde. Tu pogo son corps pendant qu'il est à terre, le chevalier se relève jamais. Tu pogo son corps pendant qu'il est à terre et il se relève jamais. Ah ouais. Merci Nexta pour le sub, merci beaucoup. Donc je le mets une fois à terre et après je pogo juste et il peut plus rien faire. Je vais tester maintenant. Ça marche aussi avec lui. Oh Hidaru, merci pour les 5 subs. Attends j'ai pas compris. Donc je dois faire ça. C'est la première fois que je vois ce que t'as eu. T'as eu 0 chat. Ah mais il m'a spawn sur la gueule vraiment. Il m'a vraiment spawn sur la gueule littéralement. Encore par son crâne, ok. Et ça lui met des dégâts, ça? Ça sert à quoi de faire ça du coup? En gros, un pogo en heal. Donc je fais tac. Je me soigne et je peux re-sauter quoi en gros. C'est pour soigner en gros d'essayer de ça. Mais c'est juste pour soigner alors ça ne met pas de dégâts. Merci Daru pour les 5 subs, merci fond du cœur. Hein. Merci Nextolf aussi pour le sub, merci beaucoup, vous gérez. Merci Daru, c'est gentil. T'avais dit seulement si je gagnais en plus. Hein. Un vaisseau pur, tu vas arrêter de me casser les couilles, bordel. Merci Sonolake pour le sub, c'est gentil. Merci fond du cœur. Allez, pour le train de live, il faut que j'y arrive. Ah pardon. Bon, c'est juste ça que j'ai donné que 5 et pas 10. Bon, c'est déjà très gentil, hein, merci. Qu'est-ce qu'il est dur, ce putain. Qu'est-ce qu'il est dur ce Panthéon 5.
C'est quoi les options au début de Panthéon comme ça? Putain, attends, vraiment. On va un focus un peu. Les options au début de Panthéon comment ça? Sur les charmes, tu veux dire? Ah oui, on peut se donner des malus ouais, pour avoir plus de challenge encore. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez de challenge à le planter en 5 de base. Donc ils se rajoutent des trucs genre je peux pas utiliser les... on peut pas utiliser les armes, pas utiliser les armes, ce genre de truc quoi. Voilà. Il y en a, ils sont vraiment chauds au jeu. Hein. Putain, c'est si long de tout refaire, bordel, c'est si long. Bon, mon Grim Cauchemar, il était vraiment clean par contre. C'est vraiment vaisseau pur là. Je pense que je suis meilleur sur sur Radiance Absolue que vaisseau pur, mais faudrait peut-être que je le retraîne un peu. Merde. Putain, j'ai vu toujours que son dash est tout petit. Oh, les boss de merde de début là, juste laissez-nous passer, arrêtez de faire chier. Pas utiliser les armes, ouais, en gros tu utilises que les sorts pour au combat. Mais c'est pas évident hein. Y'a une prédiction qui a été lancée ou pas? Merde, j'avais pas encore le... Merde, c'est fou. Oui. C'est porté en 5, ouais, c'est porté en 5 le gars. Merci beaucoup, Flo. Comment tu recharges tes armes alors? Bah, bonne question, je sais pas. C'est pour les 100 vides, Fab. Petite blague pour se moquer du vaisseau pur et lui faire sa fête. Comment appelle-t-on un bateau qui rate son trésor? Un vaisseau sanguin. Je les bourrine maintenant eux hein. Allez meurs meurs meurs. Il faut que je mette combien de dégâts là, c'est bon. Malus c'est l'aiguille au niveau 1 mais oui tu peux utiliser sinon tu peux rien faire. Ok ok. Merci pour le train hype. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est si long d'aller à la fin en plus du Panthéon. Allez vaisseau pur me spawnera pas sur la gueule s'il te plaît. C'est que ces boss de cons qui sont si lents. Je jure, ces boss de cons, ils m'énervent. Ils sont trop chiants. De leur courir après, c'est insupportable. Stylé que zéro quand même. Ouais, oui, il est stylé, mais il est chiant quoi. En fait, de base, peu importe le jeu, les boss qui sont fuis, ça m'énerve. Dans Elden Ring, vraiment, je déteste par exemple les boss qui sont sur des chevaux ou autre. Ça m'énerve de voir leur courir après. D'ailleurs, sur lequel je sais pas si on t'a mis la taverne pour les meilleurs invoques est portée par une créature appelée le Dromadaire légendaire. Mais non. Pour de vrai? Merci encore hein, d'ailleurs pour la sponsor AFK Journey. Vous avez été quand même pas mal à la faire. Je vais pas mentir, ça fait plaisir. La Path of Pain, ouais, c'est fait. Ouais, t'es pas un boss intéressant, toi. Au début, oui, t'es un boss intéressant, mais pas maintenant. Ouais, la Path of Pain, j'ai fait.
Je sais pas, Deathstep, tu avais tenté la Path of Pain ou pas? Merci Alex pour le Prime! Merci beaucoup, tu régales! Merci Alex. Non, j'ai pas trouvé le jeu de plateforme de base, ok, ok. Il n'y a pas grand chose de toute façon à la fin de la passe au Spain. Oh putain. Et combien de Pokémon dans ce jeu? 5 René Lucky. Là c'est le dernier truc qui me reste à faire du jeu en fait en gros. On est une idée. Vraiment, je hais ce boss. Vraiment, je vous jure, je hais ce boss. Je le trouve tellement chiant. Oh mais par pitié, je meurs. C'est moi qui vais crever hein. Non, c'est... Bordel, on a pas arrêté de m'en parler MDR. Bah en vrai c'est quand même stylé à faire. Oh. On se focus un peu par contre. Hein. Peut-être le combat le plus stylé du Panthéon 5. Merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce qu'il est stylé ce combat. Merci beaucoup pour le follow Ben, c'est moi. Qu'est-ce qu'il est stylé ce combat, il est incroyable. Il y a combien d'heures de jeu? Je suis à 52 là. No hit peut-être ou bien. Oh dommage. Un hit, dommage. Un hit. On n'a plus beaucoup de temps pour la prédiction si jamais. Et merci beaucoup Rémi. Merde. Combat de fou hein. Combat de fou là. Préparez-vous. Le combat est absolument fou. Wow. Un c'est bon flow, sainte virgule, bienvenue à toi. T'as fait le DLC de Ring, ouais, déjà fait. Et dommage, je ne sais pas parler. Parler du boss ou de quelqu'un? Finalement t'es mort sur quel boss? Je suis mort les deux dernières fois sur vaisseau pur. Peut-être retraîne un peu vaisseau pur. Hein. Bah si je remeurs sur vaisseau pur, je pense que ça voudra dire qu'il faudra que je retraîne, ouais. Oh par pitié. Merci. On voit deux fois un lien mais ignore de messages. Ah un mec dans le chat qui a fait ça, j'ai pas vu. Oh, fais gaffe. Et lui on peut le bourriner, on se rappelle. On bourrine, on bourrine, on bourrine.
On bourrine, après il y a le heal de toute façon, donc on s'en fout. C'est Minette, on est à quel boss là? Non mais c'est si long de retourner au dernier du Panthéon, c'est horrible en vrai, c'est trop chiant. Enfin, trop chiant. C'est ça qui est dur justement dans le challenge. Ok, ok. Petite minute pour la prédiction si jamais. Oh, il a pas fait une fois son attaque où il disparaît. Incroyable. Et ton jeu vidéo préféré, Romain? Elden Ring. Merci Ribozon pour le raid. Attends, je vous accueille comme il se doit dans deux secondes, juste. Je finis ce boss et je suis à vous. Bonjour, bonjour monsieur Ribozon, comment ça va? J'arrive, je suis à vous dans deux secondes. Je finis le boss et je suis à vous, ok? Comment ça va Ribo? Comment s'est passée cette petite matinée sur Elden Ring? Ok, le boss est mort. Hop là, merci pour le raid Ribozom, comment ça va tout le monde? Bonjour à tous et à toutes, installez-vous bien, plaisir de vous recevoir ici, j'espère que vous avez passé un agréable live, évidemment. N'hésitez pas à aller follow Ribozom, le poteau, créateur de contenu sur Elden Ring principalement, mais sur tous les From Software de manière générale. Merci Lalin pour le troisième mois d'abonnement. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ici ce matin. Je suis actuellement sur Hollow Knight, peut-être que vous connaissez Hollow Knight, qui est connu un petit peu comme étant le... Comment dire ça? Elden Ring en 2D, je pense qu'on peut le dire. Donc ça va être très plaisir de vous recevoir ici. Salut Slaxou, merci pour le follow aussi. Et voilà, le but du coup, ça va être de faire le Panthéon 5. Le Panthéon 5, c'est le challenge le plus compliqué du jeu que je tente de faire actuellement. C'est 42 boss, donc tous les boss du jeu à la suite, sans mourir. Et je suis arrivé juste à laisser d'avant sur l'avant-dernier. Voilà, voilà. Donc si vous voulez peut-être me voir réussir le challenge le plus compliqué du jeu, c'est peut-être maintenant. J'y suis depuis ce matin. Donc on va essayer que ça se passe bien. Voilà, 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 en gros. Et là je suis à quel boss, Minette déjà? T'as fait quoi Ribo ce matin? Est-ce que t'as réussi à tuer Mesmer ou pas? Est-ce que Mesmer est mort chez Ribozom? Je peux rien faire, je suis coincé dans le coin. J'ai hérité de Metroid. J'ai pas fait les Metroid donc je pourrais pas te dire, mais ouais apparemment... Oh, c'est en 2D quoi. Il est mort Mesmer là, let's go. 24, ok. Vous connaissez un peu le jeu du coup, le raid, ou pas du tout? Pour ceux qui connaissent pas et qui aiment bien Elden Ring, sachez que c'est vraiment un jeu qui va vous plaire. Beaucoup de boss durs, beaucoup de challenges à faire sur le jeu. Et là littéralement je fais tous les boss du jeu, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la difficulté après. Allez. Il fait ses boules chaque fois qu'il perd un carte TPV, donc là on est déjà bien. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Allez, focus moi. Et il a perdu la moitié de sa vie, c'est la deuxième fois qu'il fait les boules. A chaque fois qu'il fait les boules, c'est qu'il a perdu un quart de CPV. Là, on n'est pas encore dans les boss très compliqués, hein, si jamais, pour ceux qui demandent. Trois quarts de CPV sont partis. C'est chaud, ça c'est vraiment pas les boss compliqués là pour l'instant. Merde. Quatrième le jeu, Romain. Thank you.
est bad. Ok, il reste un coup pour mourir. Salut Pactuel, comment tu vas? Allez, les boss s'enchaînent, les boss meurent. Ça, c'est un boss qui s'appelle comment déjà? Les Veilleurs? Un truc comme ça, ouais, les Veilleurs, c'est ça. Pas très compliqué non plus maintenant, ça devrait aller. Allez, ça va, mon dit. De nouveau, hein, n'hésitez pas à mettre quelques emojis, ça fait toujours plaisir dans le chat, pour envoyer un peu de force. Si on discute avec les autres zigotos, j'ai adoré ta vidéo pendant que je bossais hier après. Mais let's go, ça fait plaisir. Ouais, c'était cool en vrai, hein, ce petit apéro talk show. Merde. Vraiment que son temps un peu quand même, s'il te plaît, c'est pas un peu dur. Salut Jimmy, comment tu vas? Merde, putain, j'ai dash dessous lui. Merde. Lui est mort. On va se soigner. Ça va bien Jimmy. Ça va bien Jimmy. En plein Panthéon 5, donc bah c'est chaud. La Suisse a gagné? Non mais la Suisse va gagner Jimmy. Eh Ribosome, t'es pour la Suisse ou pas? Ribosome, dis-moi que t'es pour la Suisse. Les rediffs sont payantes. Non, j'ai... Sur Twitch c'est gratuit et sur YouTube c'est gratuit. J'ai une chaîne rediff, ouais. Panthéon en gros c'est le challenge le plus dur du jeu. Et... Viens par là, viens par là. Oh, j'ai vraiment tapé là. Les Sneeze, allez l'Angleterre, mais arrêtez avec ça, c'est bon. Les Anglais, vous devenez mon peuple de l'étranger préféré. Romain, bah, on va essayer. Mais pour témoin, en gros, Snake Cracker, c'est vraiment enchaînement de plein de boss du jeu à la suite, quoi. Chiant ce boss. Neji, comment tu vas? Vingt-huitième, ça avance tranquillement mais sûrement. 28 sur 42. C'est pas très dur celui-là. Hein. Après j'ai qui ou vous savez quel boss j'ai? Merde, putain. J'ai pas tous les kinés. Vous savez quel boss j'ai après ou pas? Sly après, ok ça. C'est ok, c'est ok. Bon, l'accès au Panthéon, c'est un DLC, ouais, mais quand t'achètes le jeu, le DLC est directement inclus. Je peux pas faire le 100% que j'ai oublié de sauver la... De sauver Zot. J'ai pas vu sur le chemin. Et tu peux y retourner après non? Tu vas y retourner plus tard. On va se prendre les dégâts là, il y a le hit juste après. Tu peux taper, c'est mieux. Je vais exprès prendre les dégâts là, c'est bien. Est-ce que tu feras des challenge runs sur Elden Ring? Ouais, ça a déjà commencé Pactuel, je fais tous les boss majeurs sans mourir. Donc, sont un petit peu Romain. Oh, Romain.
Cool, good luck. Ouais, on tente d'ailleurs demain le challenge. J'ai déjà fait une fois. Sans y arriver. On va voir si demain j'y arrive. Ah, c'est beau Flo Alex Gamer. Allez, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer à commencer. Lui il est pas très fort, vous inquiétez pas. Elle était à l'envers, ouais, il y a eu un truc bizarre avec Ornette, je suis d'accord. J'ai vu un truc bizarre, ouais. Ok, là c'est qui maintenant? Pourquoi Ornette était à l'envers? Je sais pas, c'était bizarre, ouais. Ok, proche disparu, ça va. Je fais le pire combat du monde. J'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. C'est qui là maintenant ou pas? Ou pas, moi j'y vais pas. C'est qui là maintenant? Oh putain, ok. Qu'est-ce que je déteste ce boss. Fumer du crack quand ils ont fait ce boss, vraiment. Et je m'en sors beaucoup mieux maintenant contre elle, ça va. Sans comena, c'est l'Elysia. Allez, il faudra aller. Ça touche. Oh, Romain. Et parce que vaisseau corrompu, je crois, c'est ça le nom. Vaisseau pur, c'est pas exactement le même, c'est beaucoup plus fort quand même. De toute façon, ce boss est flippant. Et horrible, Barbie, même, tu peux le dire, hein. Là vraiment, alors oui, je vais pas mourir sur protecteur blanc parce que allez. C'est qui là maintenant, vous rappelez ou pas? Marcotte. Marcotte c'est celui qui me fait le plus peur qui reste là. Je crois que c'est Marcotte hein. Ah ouais putain il est trop d'abord. J'oublie à chaque fois mais quel boss de merde lui. Hey, je suis un boss et je ne fais que fuir. Tirant de l'âme, j'aime vraiment pas. Il fait que fuir, c'est insupportable. Après ça, c'est Marcotte, on est d'accord?
Ah, Marcotte, j'aime pas du tout. Hein. J'ai vraiment la... Je galère vraiment sur Marcotte. Hein. Renanas, allez, Marcotte. Marcotte, please, Marcotte. Ils auraient pu me mettre au début Marcotte en plus. Marcotte, on bourrine, on a un rappel. Je bourrine, hein. C'est la seule strat que j'ai trouvé pour Marcotte, j'y arrive pas sinon. Allez Zot. Ah c'est Boflo, il kiss. Oh, je suis bête là. Focus sur moi. Ça m'a touché. Ça va. Grim, mesdames et messieurs, Grim. Allez, Grim. Non, non, le chevalier, pardon. Chevalier. Chevalier, Grim, vaisseau pur. Pourquoi je suis aussi nul sur lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi nul sur lui? Oh, j'ai failli faire de la merde, hein. Oh, c'était chaud, hein. Oh, c'était chaud, hein. Oh, c'était... J'ai failli crever, hein. J'ai failli faire de la merde, hein. Allez, plus que 3, mesdames et messieurs, plus que 3 boss. Grim cauchemar, je me focus. Carpe V.
rare que je me rate là-dessus. Non, pardon. Moitié. Ok, 3 PV. Mobius. Allez, mesdames et messieurs, le vaisseau pur. Le vaisseau pur, c'est maintenant. Pas de grid, Romain, pas de grid. Deux petits coups et après tu regardes ce que c'est l'attaque. Super, ça prend super bien. Bien plus. Putain, c'était chaud! Bon, allez! Merci pour le Dark, monsieur! Ok. Putain. Allez, allez, allez. Pas de merde, Romain. Pas de merde, pas de merde, pas de merde, pas de merde. Tu peux le faire, Romain. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire, Romain. C'est ok. Soigné.
La phase que j'aime le moins. Allez, spawn sur ma gueule, spawn sur ma gueule, s'il te plaît. Spawn là, spawn là. Oh, j'ai fait de la merde. C'est ok. Jump, il va partir, je sais pas pourquoi. Putain de merde! Let's go! Let's go! Wouhou! Putain! Let's fucking go! Let's fucking go! Voilà là! Oh. Oh putain! Oh! Oh, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la chair de poule, hein. Y'a pas une type de sub, faut faire F5, Rué. J'ai sub. Quitte le live ou reviens, reviens dessus, ça va faire quelque chose. Oh, putain. Oh là là. Merci, Rué. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Ah oui, A, D. Oh là là, putain! Oh, je suis trop heureux, Saivoras. Oh, je suis trop content. Vous êtes chaud, on réacte au lore du jeu du coup maintenant ou pas? Attendez, est-ce que vous voulez voir un speedrun du Panthéon 5? Ça vous chauffe ou pas? Oh putain. Est-ce que vous êtes chaud, on check un speedrun du jeu ou pas? Enfin, du Panthéon 5? Oh putain. Oh, je suis si heureux. Oh là là là. Putain, et le Absolute Radiance, je l'ai défoncé. Hein. Celui qui m'a donné le plus de peine, c'était Vaisseau Pur. Hein. Vous rendez compte? Vaisseau Pur, il y a eu un moment où j'avais un PV. Hein. Je sais pas si vous rendez compte. Oh là là. Putain de merde. Il y a combien de pourcentage des gens qui ont réussi ce Panthéon 5? Pouf. Oh, je suis trop heureux. Oh putain. Oh, ça fait trop du bien. Oh, sacré challenge, hein. Si tu veux faire un autre Metroid Dread, je te conseille Metroid Dread. Oh, c'est pas prévu pour l'instant. Je peux être fier, merci. Oh, putain. Oh. 4,4%. Ça fait peu, hein. Merci, Marcia, pour les 40 bits. Vas-y, le chat, je vais aux toilettes, le temps des crédits. Je reviens en matin speedrun, ok? Ça vous chauffe?